Ici, notre vigne est enherbée. Ça veut dire qu'on va tondre régulièrement et entretenir un couvert végétal homogène ici sur toute la période de végétation, durant l'hiver également. En fait, sur cette parcelle ici, on ne cherche pas à labourer. On cherche à ce que le sol finalement se reconstitue en dessous de l'enherbement. Ça permet d'avoir en fait des qualités physiques et chimiques du sol parfaites. Ça oblige les racines de la vigne à s'implanter en profondeur. Cet enherbement crée de la concurrence et cette concurrence oblige la vigne à s'enraciner plus profondément et donc à devenir en fait plus résistante aux excès d'eau, également à la sécheresse. Ces vignes résistent mieux à la sécheresse. Voilà, donc en fait l'enherbement a pour ainsi dire toutes les vertus. Ça nous permet d'améliorer la qualité des raisins, d'améliorer l'état sanitaire à la vigne et de tirer le meilleur parti de la parcelle.